Une belle satisfaction pour le club, une belle satisfaction aussi pour le président d'avoir autant de commissaires. Ce que bon, quand on organise un enduriste, on fait penser les finalistes. Là, c'était les crossman et les enduristes qui ont rendu l'appareil. Une belle participation de tous nos pilotes pour toute l'organisation. Je vous en remercie. Un grand merci aussi à vous, à mes pilotes, de vous être déplacés en masse. J'espère que le tracé concocté par Joël vous a plu. Si vous a pas plu, tant pis, moi j'y suis pour rien. J'ai rien fait, il a tout fait. Voilà, en gros, je crois une belle manifestation. À refaire l'année prochaine. Voilà. Merci à tous. Alors, merci Dado. On va passer maintenant la parole au président de la Sion Trial. Jérôme Cudor, nous revient un extrémiste, c'est bien. Le timing, ça marche. Merci Jojo. Juste une chose, je dirais merci à tous les hommes en bleu et rose, toutes les femmes et tous les commissaires qui ont bien voulu œuvrer dans les super zones que vous nous avez tracées. Moi je me suis régalé en tant que pilote. Là-dessus, venir à la Bresse, c'est toujours un plaisir et j'espère qu'on y reviendra encore au minimum autant que j'y suis déjà venu. Voilà. Merci Jojo, merci à toute l'équipe. Merci. Voilà, oui, ben, ça fait plaisir, mais c'est vrai que quand on a une municipalité qui nous autorise à faire de la moto, c'est vrai que c'est pas autorisé autrement, il n'y a pas 50 solutions. Ici, on n'a pas le droit de faire de la moto et, comme on veut. Il n'y a qu'une seule solution, si vous voulez faire du trial, c'est d'aller à l'école de trial. Donc ici, le site ici, il est fermé. On a toujours aujourd'hui. Et puis après, ça s'arrête. Donc c'est réservé juste aux membres du motoclub de la Bresseau, c'est tout. Donc on va passer maintenant à la parole au président de la Ligue d'Arrêt de Moto, Olivier Jacques, qui était aussi pilote aujourd'hui. Alors, tu t'es bien amusé, Olivier? Super, moi franchement je me suis régalé. Un grand merci à tous les bénévoles, effectivement. Et aujourd'hui c'est un petit peu particulier, puisque je dois vous dire au revoir en tant que président de Ligue, puisque je démissionne comme promis en décembre. Je voulais juste vous dire que Trial, ça m'a beaucoup apporté. Très sincèrement, les meilleurs souvenirs que je garderai de ma présidence de Ligue, je crois que c'est vous qui me les avez donnés, notamment avec le Mondial, avec Jojo, et avec aussi le fait qu'on a aidé l'association caritative, ça restera mes meilleurs souvenirs de motard en tant que président de Ligue. Donc merci beaucoup à vous, j'ai fait un bout de chemin avec vous et ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère que je vous ai aidé. Je pense que le trial est quand même bien reparti, bien relancé par rapport à il y a 8 ans. Merci beaucoup aux municipalités qui nous accueillent. C'est important, regardez les jeunes, regardez les beaux jeunes qu'on a. Très sincèrement, on les arme, on les éduque, on les prépare pour leur vie. Et le sport, c'est fait pour ça. Et le trial, c'est principalement un des sports les plus éducatifs qui soit. Donc merci beaucoup à vous. Un grand bravo à tout le monde et à tous les bénévoles. Et de toute façon, je reviendrai bien sûr en tant que pilote. Il n'y a pas de souci. Ouais, je pense que vous pouvez faire une ovation, Olivier, parce qu'on aura du mal à trouver un aussi bon président de Ligue. Encore une fois, applaudissez. Allez. Le mairie, c'est toi qui vous paraissez un peu plus longtemps. Voilà, donc maintenant on va passer la parole au représentant de la municipalité de la Bresse. Bonsoir à tous, je vais faire court moi aussi. Donc félicitations pour votre carrière de président de Ligue. Et puis bon vent dans ce que vous allez faire. Tout d'abord, comment dirais-je ? Remercier tous les partenaires qui sont associés à vous. Féliciter encore une nouvelle fois le motoclub qui a cette force d'organisation, cette force de mobilisation, d'organiser trois événements cette année encore sportifs majeurs à la Bresse. Et remercier et féliciter bien sûr les Bressous parce qu'on est souvent, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, mais bien sûr tous les concurrents. Et bravo à vous. Merci. Donc on va passer maintenant à la remise des prix. Donc on va commencer par la plus petite catégorie, il s'agit du S4. Et sur la troisième marche du podium, nous avons Marc Christophe avec 6 points. Voilà, Marc Christophe, il est là. Vous voulez lui prendre sa coupe? Il s'est excusé ou pas? Oui, c'est excusé. Non, mais parce que c'est quand même important, faut pas oublier que nous sommes organisateurs.
le moindre des choses quand on veut quitter une organisation, c'est au moins de s'excuser. C'est la moindre des choses, je pense que c'est un respect pour l'organisation. Le deuxième, c'est Loïc Poirot avec 5 points. Voilà, c'est la liste qui va lui être. Et le premier, avec 2 points, Florent Louis, du vote à de la Rassemble. Voilà, donc Denis, si tu veux venir remettre ou... Louis, viens remettre la coupe à ton copain, viens. Louis, vite. Voilà, va serrer la main à Louis. Louis, resserre la main à Louis. Voilà. Bravo messieurs. Ensuite, la catégorie escape. Alors on connaît bien, c'est un bon petit jeune, les cheveux blancs, mais voilà, avec 14 points, monsieur Luc Lemier. Vous êtes en train de l'avancer. Sur la deuxième marche du podium, Balan Hubert avec 10 points du motoclub Tourbourg. Et sur la première marche du podium, Loïc Gérardin de l'école de trial avec 9 points. Allez, les photos, c'est bon, les journalistes, c'est bon, pour partir, c'est bon. Les autographes, c'est tout à l'heure. Hein. Dans la catégorie senior 3, le troisième, le Pélec Loïc avec 6 points. Le deuxième, Poirier Régis de l'école de trial avec 4 points. Toujours deuxième, pas de chance. Allez, Poupou. Et le premier du motoclub de la Bresse, je vous fais un immense plaisir de le voir gagner, Pierre Poirot avec 2 points. Celui qui était premier tout à l'heure à l'escalade, c'est son petit frère. Voilà l'Arlène du trial, hein. Ça c'est vraiment l'Arlène, c'est les jeunes qui arrivent. Allez les journalistes, ah, dans le journal demain. Allez la presse. Paris Match. L'équipe est là aussi, je crois. On va passer maintenant à la catégorie senior 3 avec la troisième place de Tabouret Emmanuel. S3 Plus. Manu Racing, le patron de Manu Racing. Troisième. Le deuxième, Marc Petit-Jean du motoclub de Vosges. Et le premier, Rieger Denis de l'école de trial. C'est bon les photos, la presse, on voit la prise. Voilà, l'année prochaine j'espère. La même condition. La prochaine catégorie, c'est la catégorie senior 2. Avec à la troisième position, Eric Pacalis. Et Stanislas Cototrug. Il est encore là, Pacalis. Je sais pas.
La deuxième place pour Thierry Poirot du motoclub de la Bressoul. Voilà, c'est le papa des deux premiers, du S4 et du S3. Et le premier, il a gagné, je ne sais pas combien de courses ici. C'est la seule, je crois que c'est la seule sortie qu'il a fait de l'année. Il m'a appelé hier soir pour voir si ça voulait, j'ai mis le soleil. Donc il nous vient du motoclub d'Andelot, c'est notre ami Yves Kartz. Alors je dépêche parce que la maison de retraite elle ferme à 6h, donc il faut qu'il se rattrape. Alors on va laisser, on va regarder, t'as vu comment il monte sur la marche. Voilà, oui. Tu vas nous dire un petit mot. Merci à tout le monde. Ça fait presque 2 ans que je n'ai pas roulé, je roulais un peu l'an dernier en fin d'année. Mais je me suis vraiment fait plaisir et j'ai retrouvé plein de monde et ça m'a fait plaisir de voir toujours les mêmes sourires, la même ambiance, les commissaires c'est toujours les mêmes. Merci à eux parce qu'ils sont vraiment performants et bravo à l'organisation. Merci à tout le monde. Et moi je voulais juste dire un petit mot, on travaille beaucoup pour que les jeunes ils puissent rouler. Aujourd'hui on en a eu 2 nouveaux, je pense que Yves va m'accompagner, ils sont les 2 devant là. Et ça serait bien qu'ils viennent. Alors, je leur donnais ma coupe, ouais, je pense qu'il va pas autant. Allez, venez Noah, Ethan. Voilà, là, 4,5 et 5,5. Le 2, c'est le haut. Allez, c'est la bleue. Quant avec aussi. Quant avec sur la bleue. Alors en catégorie open maintenant, le troisième c'est Petit Jean Charlie du motoclub du Haut-de-Vosges. C'est qui est Charlie ? Là Charlie, oui, là. Alors voilà qui arrive. Le deuxième c'est Jean-Luc Tictou, motoclub Haut-de-Saulnois. Et le premier du club 1370 c'est Mathieu Faide. Photo, c'est bon. Bravo messieurs. Voilà, et la catégorie 1, donc la catégorie senior 1, il n'y a que 2, ils vont faire un spectacle ô combien impressionnant avec un tour à 0 quand même, pour savoir que un tour à 0. Donc le deuxième c'est Maxime Varal, jeune pilote de l'école de trial, prometteur. On ne voit pas beaucoup rouler un championnat de ligue pour tour puisqu'il participe régulièrement à des épreuves internationales. Donc il nous a fait l'honneur de venir rouler aujourd'hui, donc c'est très bien pour nous. Et le premier, le bien connu du motoclub maintenant et de toute la Lorraine, Alexandre Grenier. Il est où Alex ? Voilà. Alex a quand même fait un tour à 0 en SA, donc c'est quand même pas mal. Hein. On va les faire parler chacun à leur tour. Tiens Maxime, un petit ressenti sur l'épreuve. Eh bien écoutez, moi c'est l'été, c'était une très belle épreuve, des commissaires sympas, tout, donc ça s'est vraiment bien passé. Je tiendrai à remercier toute ma famille, David Toussaint qui m'a suivi aujourd'hui, et je tiendrai à appeler ma sœur aussi sur le podium pour lui remettre ma coupe parce que voilà, je sais que ça lui fait plaisir. Donc je vais lui remettre ma coupe, elle va venir sur le podium avec nous et voilà, et un grand merci à tous les bénévoles. Et à la prochaine, voilà. Ah bah.
Non, je voudrais remercier tous les commissaires, tous les bénévoles qui ont été présents pour cette course. Moi, je me suis vraiment régalé. J'ai pas mis beaucoup de pieds, mais c'était vraiment super. On a eu le soleil toute la journée. Et voilà, un grand merci à tout le monde. Je vous dis à l'année prochaine et à bientôt. Voilà, merci Alex. Bon, on a appelé les filles, on va rester sur le podium. Vous allez aussi rester sur le podium parce qu'elles étaient deux aujourd'hui. Donc, il nous marque notre amie Chloé Leduc. Chloé, si elle veut venir avec. Parce qu'elle est là, Chloé. Là, voilà qui arrive, voilà. Elles ont deux courageuses d'avoir fait la course. Donc, on va leur remettre, chacune une coupe. Voilà. Hein, voilà, on va laisser les. Tiens, vas-y. Voilà, donc. Voilà, on peut les applaudir bien fort, bravo. Mesdemoiselles, elles sont plus courageuses, c'est bien. On en avait un petit peu plus tout à temps, mais là voilà, c'est vrai. Bravo, bravo mesdemoiselles, bravo messieurs. Donc c'est ainsi que se termine cette manifestation. On vous dit bien sûr à l'année prochaine. La prochaine course du championnat Lorraine, c'est dans une autre contrée, puisque c'est en Champagne à Vertu. Donc on vous donnera rendez-vous à Vertu, et puis à l'année prochaine. Soyez prudents sur la route. Merci, bonne route, et à bientôt. Au revoir.